Bonjour à tous. Aujourd'hui est l'occasion de revenir sur un acteur majeur du cinéma français, un homme qui divise mais qui a aussi provoqué mon premier émoi cinématographique, Luc Besson. Parler de Luc Besson est certainement l'une des choses les plus compliquées que je vais avoir eu à faire sur cette chaîne. L'homme catalyse envers lui tellement de haine et de mépris que je sens que je suis bien parti pour me battre contre des moulins à vent. On va donc se mettre d'accord dès le début. Si vous n'aimez pas Luc Besson, l'homme, ça n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour parler de sa vie privée ou de ses déboires judiciaires. Je suis pas apte à le faire et j'ai envie de vous dire que je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est son cinéma. Parce que Besson, c'est un personnage particulier. Quelqu'un qui, dès ses premiers films, a attiré la haine et le mépris pour avoir participé au mouvement français du cinéma du look. Encore que l'existence de ce mouvement soit sujette à caution puisque définie par un seul critique et sans manifeste. On lui reproche son esthétisme, des dialogues et scénarios vides ou mal écrits, où le style prévaut sur le contenu. Au début des années 2000, Besson ajoute aux reproches sur son style, pourtant ultra populaire, une carrière de producteur qui l'amène à créer EuropaCorp, avec laquelle il va tenter de concurrencer les studios hollywoodiens. À quoi s'ajoutent enfin les affaires judiciaires, suite au financement en grande partie public des nouveaux studios de la Cité du Cinéma, qui doivent concurrencer les studios de Pinewood anglais où sont tournés les James Bond, Balzberg en Allemagne et la Cinecittà italienne. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, son 15e long métrage, Lucy, vient de faire un démarrage canon aux USA et ne va pas tarder à arriver en France, l'occasion donc de revenir sur ce qui fait le monde de Luc Besson. Oui, j'ai dit 15 films parce qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Quand on parle de Luc Besson, on parle de ça, les 15 films de fiction qu'il a réalisés. Si vous commencez direct à gueuler sur Taxi, Taken ou autres Transporters, déjà vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les films de Luc Besson sont les films réalisés par Luc Besson. Sinon, il est scénariste ou producteur, et ce sont d'autres métiers qui n'ont rien à voir, et on ne peut pas en tenir compte pour juger son œuvre pour des raisons que j'aborderai plus tard. Mais du coup, 15 films, ça fait un petit peu beaucoup, donc je vais être obligé de rester un petit peu en surface. Maintenant que les présentations sont faites, commençons. Après un court-métrage peu remarqué, Luc Besson commence sa carrière en 1983 avec la réalisation du Dernier Combat. Dans ce film de science-fiction noir et blanc, tous les personnages sont muets et il n'y a donc aucun dialogue. Le héros incarné par Pierre Jolivet tente de survivre après un événement qui a fait chuter l'espèce humaine. Il n'est jamais expliqué, mais ça devait être un sacré bordel pour détraquer le monde au point qu'il pleuve des poissons et des rochers. Il va rencontrer un médecin, joué par Jean Bouise, qui va le recueillir. Ensemble, ils prendront soin d'une femme mystérieuse qui reste enfermée dans une chambre protégée, puisqu'elle est une des dernières rares survivantes, et devront s'occuper d'une brute jouée par Jean Reno, qui tente d'entrer dans l'hôpital par tous les moyens. Le film ne performe pas beaucoup en salle, mais rencontre le succès en festival. En 1985, il revient avec Subway, film entièrement tourné dans le métro parisien. On y suit Fred, joué par Christophe Lambert, un gentil vaurien qui a volé des documents à un politique quelconque et est venu là pour avoir l'aide de son ami, joué par Jean-Hugues Anglade. On suit ses rencontres avec les divers marginaux qui y vivent, alors qu'il est poursuivi par la police de l'inspecteur Batman, joué par Jean-Pierre Bacri, et le commissaire Gisbert, joué par Michel Galabru. La seule chose qui intéresse Fred, cela dit, c'est la femme de l'homme à qui il a dérobé les papiers, Elena, incarnée par Isabelle Adjani, qui va peu à peu découvrir ce monde souterrain et se laisser séduire par sa liberté. En 1988, il signe son plus gros succès en salle en France, Le Grand Bleu, inspiré en partie de la vie de deux plongeurs en apnée, et en partie de la vie de Luc Besson qui aurait sans doute fait de la plongée professionnelle si un problème de santé ne l'en avait pas empêché. L'histoire d'amitié mêlée de rivalité de Jacques Mayol, joué par Jean-Marc Barr, un dauphin né dans un corps d'humain selon son entourage qui ne nourrit aucune volonté de compétition, et de Enzo Molinari, champion du monde italien de descente en apnée, tellement sûr de sa supériorité qu'il voit dans le français une compétition enfin stimulante. Jacques va devoir hésiter entre son monde, la plongée, et le « vrai monde » entre guillemets, dans lequel l'attend Johanna, joué par Rosanna Arquette. Tu m'étonnes que le mec préfère rester au fond avec les dauphins. En 1990, il sort Nikita, l'histoire d'une jeune fille perdue, droguée, illettrée et violente, jouée par Anne Pareillo, qui après avoir été arrêtée pour le meurtre d'un policier pendant le casse d'une pharmacie, se voit plus ou moins forcée de suivre une formation afin de devenir espionne pour le compte de l'État français. Instable, fragile, partagée entre la figure paternelle de son patron, Bob, joué par Checky Cario, et son amoureux, joué par Jean-Hugues Anglade, Nikita essaye de se créer une vie. Et on va faire une petite pause ici pour évoquer le début de carrière de Besson. Dès son premier film, il est remarqué pour son style très visuel. Un film de Besson, c'est presque un mouvement de caméra à chaque plan, de préférence compliqué. Ils sont logiquement également très travaillés dans leur composition. Le Dernier Combat marque par ses décors qui mêlent une normalité banale à l'étrangeté provoquée par ce monde post-apocalyptique. Par exemple, le héros vit dans un ancien bureau qu'il a aménagé, il a installé son lit, etc. Mais le sol est entièrement couvert de sable, qui est un élément qu'on trouve en extérieur. Ou encore le magasin d'Arty, en sous-sol comme la plupart le sont, mais noyé jusqu'au niveau de la taille. Idem dans Subway, où les dédales de couloirs sans fond, baignés d'une couleur marronasse dégueu et de carrelage, enferment le spectateur, sans pour autant créer un sentiment d'oppression.
c'est grâce à l'utilisation quasi systématique pour Besson de focales courtes. L'effet d'un objectif en focale courte, c'est d'exagérer les distances, de déformer l'espace, avec parfois une courbure des lignes droites pour les vieux objectifs ou ceux de moins bonne qualité. Par exemple, depuis que je tourne avec une caméra semi-pro, je suis en focale moyenne, normale. Quand je tournais avec mon ancien caméscope, j'étais déjà en plan taille, mais vous voyez beaucoup plus de ce qu'il y a derrière moi, du décor, de l'étagère, du mur, etc., alors que la caméra était au même endroit. L'utilisation de focales courtes additionnées au format cinémascope permet à Besson de pouvoir composer ses cadres comme il le souhaite. En temps normal, en faisant un gros plan, il aurait un décor flou. Mais avec cette focale, il peut décider d'y mettre du décor. Le grand blanc en particulier regorge de ses plans qui lui permettent d'avoir ses valeurs de cadre voulues sur les personnages, tout en conservant constamment les sublimes environnements de la Grèce et de l'Italie. Ce qui permet aussi de cadrer Enzo et Jacques côte à côte dans un submersible dans lequel la caméra doit à peine avoir la place de rentrer. Et permet enfin de véritablement isoler Jacques au fond de l'eau. Nikita propose également ses éléments de mise en scène, en y ajoutant un soin tout particulier porté aux transitions. En effet, il y a très peu de cuts brusques entre deux séquences. Il préférera les fondus enchaînés sur un même lieu, mais avec la caméra à la même position, ou encore un de ses gimmicks préférés, la transition dans le mouvement. Le personnage commence une action dans une scène et la finit dans la scène suivante, de sorte que l'on ne sente pas le passage du temps. C'est très étudié parce que c'est lié à la narration de Nikita. C'est amusant de dire ça parce qu'au début de sa carrière, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on a beaucoup reproché à Besson de ne pas du tout s'intéresser à la narration et uniquement au visuel. Un reproche foncièrement contradictoire étant donné qu'en cinéma la narration est visuelle, d'autant que dans ses premiers films, il a l'occasion de faire des expérimentations de narration extrêmement poussées. Nikita est en effet le premier film de Besson à avoir une narration linéaire et simple. Le dernier combat a adopté un récit assez proche des travaux de Michelangelo Antonioni, qui est l'errance d'un personnage. Si Antonioni est trop vieux pour vous, peut-être que vous avez vu Frances A. L'idée c'est que le film suit un personnage qui ne sait pas où il va, un personnage qui va vers ce qui attire son attention, et part ensuite voir la prochaine chose qui retient son attention. On n'en est pas exactement là, mais tout de même, rien n'est accompli dans ce film. Le personnage retourne à la case départ, et tout ce qui lui est arrivé par le hasard total de ses rencontres. Subway, lui, propose une narration totalement éclatée. Fred en est le héros puisque c'est celui qui prend les décisions et fait avancer le récit. Mais on suit avec autant d'intérêt les gardes du corps d'Elena, le marchand de fleurs joué par Richard Boringer, le roller, l'inspecteur Batman et le commissaire Gisbert. Il n'y a donc pas vraiment de personnage principal, ce qui colle assez avec l'état d'esprit des jeunes du film qui ne veulent plus être soumis à des classes sociales. Monsieur le préfet, votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous. Dans Le Grand Bleu, le récit est partagé entre Jacques, Enzo et Johanna, et donc Nikita est son premier film linéaire. Un personnage principal, un récit qui ne fait que avancer, et où donc les ellipses, ces moments passés sous silence dans le récit dont on vous a parlé en français au collège, sont travaillés pour ne surtout pas faire sentir le bond en avant effectué. On ne peut pas dire que ces quatre films évoquent un mec pour qui la narration est secondaire lorsqu'elle devient la forme concrète du film, au point que le film soit, faire un récit au cinéma, tourné dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il voulait tellement que l'histoire avance, 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 toujours tout droit, qu'il a décidé de tourner les scènes dans l'ordre du script, ce qui permet également aux acteurs de mieux contrôler l'évolution du personnage, d'une délinquante agressive à une femme intelligente et en quête de liberté. La quête de liberté. Chose intéressante quand on s'appelle Luc Besson et qu'on essaye de révolutionner un cinéma français un peu plan-plan. Selon le critique qui a élaboré les thèmes du cinéma du look, Besson en était un des fers de lance, accompagné de Léo Scarrax et de Jean-Jacques Benéix. L'idée était non seulement d'apporter un attachement à l'esthétique du film, aux dépens ou non du récit, mais aussi d'être la voix de cette jeune génération marginalisée, la génération Mitterrand. S'il y a bien une photo que je ne me serais pas attendu à mettre dans une de mes vidéos, c'est une photo de François Mitterrand. Figure de proue de cette intention, Subway. Comment être plus underground qu'en étant sous terre? C'est surprenant cette bande de rebelles anticonformistes et opposés à une société bien pensante qui décide de vivre dans ce gruyère géant qu'est le réseau des transports parisiens, à vivre de menus larcins en mode YOLO, et qui se vend comme déterminé et immortel puisque Fred survit au coup de feu. Mais ce n'est pas le seul élément qui appuie cette volonté de la part du réalisateur. Que dire du dernier combat, où un homme cherche en but à son existence si aliénante? De Nikita, une femme qui rêve de liberté et à qui on impose de rentrer dans le moule. On lui répète qu'elle doit rentrer dans le droit chemin, mais le droit chemin semble ne provoquer que mort, déception et souffrance. C'est traité en allant directement à l'extrême, mais on peut sans doute voir un peu de Besson là-dedans, ce petit jeune qui veut proposer quelque chose de différent, et à qui on reproche de ne pas faire cette mise en scène classique que tout le monde fait, dont l'académisme le répugne probablement. Et d'ailleurs, à propos de métaphore du cinéma, je trouve que Le Grand Bleu bénéficie également de ce niveau de lecture. Le monde aquatique, on l'a tous autour de nous, on sait tous que la mer existe et ce qu'il y a dedans. Et la plongée sous-marine est une vraie discipline, qui a un championnat du monde. Pourtant, tout le problème de Jacques, et d'Enzo, même s'il s'en sort mieux dans la vie de tous les jours, c'est que personne ne comprend ce qu'il vit. Personne ne peut vraiment les comprendre, pas même les amoureuses qui les quittent, pas même les professionnels qui encadrent le championnat, car il faut le vivre, il faut être dedans, en apnée, et pas avec tout un tas de systèmes d'aide et de sécurité.
Eh bien, le monde du cinéma, c'est pareil. Vous le voyez autour de vous, ça fait partie de votre quotidien. Mais même si vous appréciez divers exploits cinématographiques, vous êtes extérieur à tout ça et vous ne comprenez pas forcément tout. C'est pas méchant ou méprisant de dire ça, si vous saviez tout, vous n'auriez aucun intérêt à regarder mes vidéos, puisque c'est justement ce que j'essaie de faire, de vous expliquer ce que c'est que d'être en apnée, sans protection ou sécurité dans le monde du cinéma, et pourquoi les décisions prises par les réalisateurs apnéistes vous paraissent parfois obscures, y compris pour les professionnels qui encadrent le championnat du cinéma, les critiques qui ont allumé Besson depuis ses tout débuts. C'est magnifique car les deux passions de Besson ont finalement les mêmes caractéristiques, elles le mettent toujours dans un autre monde. Les critiques l'ont incendié, l'ont attaqué comme tout réalisateur qui essaie de s'écarter des sentiers battus. Les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, comme dirait Georges Brassens. Et c'est d'ailleurs le sujet de ses quatre premiers films. Des personnages qui veulent inventer un autre monde, mais qui sont combattus par le carcan de la société. Pourtant, la victoire de Besson est totale, parce que le public le suit. Si Le Dernier Combat n'a pas marqué tout le monde, avec son sujet et son style si étrange, Subway réunit 2,9 millions de spectateurs en France. Le Grand Bleu, après avoir été presque hué par la presse lors de sa projection, devient le film culte de toute une génération, faisant plus de 9 millions d'entrées, jusqu'à ressortir dans une version longue qui permet à Besson de prendre sa revanche en inscrivant sur l'affiche « N'y allez pas, ça dure 3 heures ». Perso, je comprends le succès, hein, 3 heures de film avec des décors paradisiaques et un beau gosse à moitié à poil pendant tout le film qui nage avec des dauphins. Enfin, et Nikita qui réunit 3,7 millions de spectateurs en France et parvient même à exploser le record des recettes d'un film aux USA. Bon, faut dire qu'il était assez bas puisqu'il n'était que de 5 millions de dollars. Quand on sait que Lucie vient de faire 44 millions en une journée, on se dit que le monde a changé. Enfin, dès ses débuts, apparaissent l'un des thèmes, si ce n'est le thème de Besson, la femme forte et fragile. Dans Le Dernier Combat, il faut être bien robuste pour avoir survécu au monde extérieur, mais elle vit surprotégée. Dans Subway, Adjani affiche une détermination palpable et sort un flingue plus gros qu'elle, mais tombe sur le charme du vaurien. Dans Le Grand Bleu, Johanna accepte beaucoup, mais a quand même besoin d'attention. Et pour toute la violence physique et verbale de Nikita, elle passe quand même le tiers du film à pleurer. C'est d'ailleurs un contraste assez fascinant entre la femme forte du restaurant et la femme au maquillage ravagé par le chagrin de la fin du film. L'univers de Besson sera aussi grandement défini par le travail de son ami et compositeur attitré, Eric Serra. Bassiste, guitariste, chanteur et compositeur, il va créer des compositions très particulières à la recherche de sonorités plus modernes. Pour les années 80, bien sûr. Ses compositions pour Le Dernier Combat consistent globalement en des thèmes très éthérés et doux, mais surtout très discrets, comme si même la musique avait quitté ce monde, et des compositions beaucoup plus classiques, au piano et percussions cristallines, lors des scènes où les héros retrouvent leur humanité. Subway ne conservera que le style rock-punk qui est la musique de la génération mise en avant par le film. Le Grand Bleu sera l'occasion d'un tout autre travail. Le calme, le vide de l'océan et les mammifères marins qui l'abritent inspirent aux compositeurs des thèmes aériens, portés par des violons de synthèse pour la modernité. Le synthétiseur qu'il utilise aussi pour créer les chants des dauphins qui participent à ce que le spectateur se sente comme le personnage de Jacques, dans son cocon, au fond de l'océan, avec les dauphins. Enfin, dans Nikita, la musique évolue avec le personnage. Thème rock-punk en début de film, musique comme suspendue au centre de formation, plus guerrière et déterminée pendant les missions, très simple et discrète quand elle doit se cacher à Venise, etc. etc. En quelques films, Besson a acquis un statut de réalisateur culte pour une bonne partie de la population et de cible à abattre pour une bonne partie de la critique.